S'abonner ou pas, en fait, je sais pas si j'en ai, j'ai pas été sur ma chaîne entre deux. Donc, si vous ne connaissez pas ma chaîne, c'est Lani Cuvelier, tout simplement. LA2LIE, espace CUVE2LIER. Ne faites pas de faute, c'est pas Cuvelier, c'est Cuvelier. Je vais vous dire 5 choses sur moi. Donc, voilà. Alors, première chose, je n'ai pas de tache de naissance. Désolée, mais ces questions-là, en fait, désolée, je casse un peu tout l'ambiance. Et ben, ces questions-là, je vais bientôt faire, je vais répondre à vos questions et faire des défis que vous m'avez proposés. Alors, ces questions-là, vous pouvez me les redemander, ne vous inquiétez pas. Je répondrai quand même pour ceux qui n'auront pas vu cette vidéo. Voilà. Au moins ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Eh ben, peuvent probablement. Je parle bien. Probablement. Désolée, j'ai vu du bleu. Oui, là, du crayon. Probablement, je sais plus ce que j'allais dire. Bref, je me souviendrai. Oui, donc vous pouvez. Ah oui, probablement me poser les mêmes questions. Tout simplement, pour ceux qui auraient vu les deux vidéos. Ou si vous n'avez pas envie, eh bien faites comme vous voulez. Mais si possible, j'essaierai. Ben, si vous avez une question, regardez d'abord dans les commentaires si elle n'y est pas trop de fois. Parce qu'après j'ai trop de commentaires et ça fait bugger un peu mon téléphone. Voilà. Donc on commence. Alors je redis le 1. Numéro 1, je n'ai pas de tache de naissance. Numéro 2, j'ai porté un appareil dentaire. Et un de mes dents. Celle-là, elle est dessus de celle-là. Celle-là, ça va encore. Ah, celle-là, elle est au-dessus de celle-là. Celle-là, elle est au-dessus de celle-là. Et celle-là, elle est au-dessus de celle-là. Donc, du coup, j'ai porté des bagues ici. Des bagues ou un appareil, je ne sais pas encore. Troisième chose, bah, j'ai failli être bigloze et je mets encore des gouttes dans mes yeux pour être sûre de ne pas te porter de lunettes. Voilà. Quatrième chose. Bah, mon téléphone était un Samsung Galaxy S3, je crois. Ouais, S3. Et voilà. Je vais vous montrer une boîte que mon père m'a prêtée, en fait. Sa boîte où il y a. Je vais poser mon téléphone sur l'oreiller parce que oui, je suis dans la chambre de mon papy. Parce que oui, je suis chez mon papy. Moi, je dors dans sa chambre. Pendant que lui, il dort dans le lit qui a là-bas dans le salon. Que je ne vous montrerai jamais. Voilà ma coque que je mets dedans. Et je mets aussi mes écouteurs, mon kit béton. Et il y a aussi, pardon. Alors, dépêche-toi. Tu m'as fait tomber mon téléphone. Téléphone, mon chargeur. Donc, je mets le petit truc blanc ici. Et après ça, je l'enroule et je le mets là. Ici. Donc, je vais l'enrouler. Donc, voilà. Alors, voilà. Donc, ici, je range mon fil enroulé, mon petit chargeur, mon kit piéton, écouteur. Et là, je mets ma coque. Et pour ranger mon téléphone dedans, c'est simple. Je mets mon téléphone dans la coque. De l'autre côté, pour pas cliquer. Vous me dites si ça abîme de faire ça. Je peux pas le rentrer de peur d'arrêter la vidéo. Et voilà. Comment ça se referme alors? Ben, comment ça se referme pour ceux qui n'ont pas cette boîte là? En fait, là, c'est mon père qui me l'a. Pardon. Qui me l'a donné. Parce qu'en fait, j'avais besoin d'une boîte pour mettre tout. Parce que je me baladais à chaque fois avec. Il m'a donné aussi les écouteurs. Donc, voilà la boîte. Ça s'ouvre comme ça. Et ça se ferme comme ça. Ouvert, fermé. Ouvert,
ferme et ouvert. On dirait une agrafeuse. Je vais te pincer. Je lave le ventre. T'es rasé. Donc, bref. Je vais déménager. Pardon, on ne voit plus. Depuis tout à l'heure, je regarde pas la caméra en fait. Je vais déménager. Je ne sais pas vous dire. C'est truc d'Alsace. Je vous dis pas où c'est. Je vous dis que l'adresse, de peur qu'il y ait quelqu'un qui vienne sonner chez moi. C'est juste. Oh, même pas, c'est même pas ça. Je me suis trompée en fait. Non, je me souviens plus l'adresse en fait. Non, je m'en souviens vraiment plus. C'est même pas ça. C'était mon ancienne. Bref, non, je vois pas, je sais pas, désolé, je vais déménager, mais je sais plus où. Pardon, je regarde la télé en même temps. Voilà, vous voulez regarder scène de ménage. Voilà, vous allez regarder un petit passage. Et cinquième chose. Je suis une passionnée d'Empokora, même si avant j'étais un idiot. Même si avant que je dise que c'était un idiot, il était trop beau, trop classe. Maintenant, je l'aime quand même. Mais je préfère Kenji, Tal, Shaim, Diesel, DJ Snake, Major Lazer, bref, tous les trucs contemporains, on va dire. Non, franchement, Empo, si tu vois cette vidéo, je te jure, je disais pas contemporain, en fait, le mot m'est venu. Continue ta carrière, t'es quand même dans mes préférés, et je t'adore. En fait, je dis ça, mais je suis quasi sûre que tu ne me répondras pas. S'il y a une chaîne de Bokora qui est vraiment fan, qui sait des informations, si vous sauriez ce qu'il disait, moi je le sais perso, si vous sauriez ce qu'il dit, pour ce commentaire que je viens de mettre, envoyez-le moi par message, commentaire. Oh, mais c'est pas possible. Mais quelle heure! Oh. De mon scénario! Voilà. Bisous, je vous aime les gens. En fait, si vous vous abonnez pas, je vous aime pas. Si vous en foutez, vous abonnez pas. Voilà, j'espère quand même que vous abonnerez, même si vous vous abonnez pas, en fait, je serai toujours votre true ami. Si vous vous abonnez, si vous avez une chaîne que j'aime, eh ben, je m'abonnerai à vous, ne vous inquiétez pas, comme Eric a officiel vidéo. Tu pourras t'abonner à ma chaîne, STP, ça me ferait plaisir. Bisous. Allumez le feu, et balancez les câbles et les deux.